Bien, voici la quatrième vidéo concernant la virole. On va s'intéresser maintenant au quart du virole qui est ici, donc la pièce orange. Donc on va regarder le dessin de définition. Donc le quart de virole, il est là. Donc il s'agit d'une tôle roulée. Donc on va faire un profil avec un trait de 50, un arc de 196 et un trait de, 5, de 47. Et ensuite, on va faire donc une pièce de mince d'épaisseur 2. Voilà. Donc là, on est en côte intérieure. C'est parti. Donc, je ferme mon fichier. Je crée une nouvelle pièce. OK. Je vais donc, sur le plan frontal, créer une nouvelle esquisse. Alors, je peux commencer par un arc par son centre, par exemple. Donc là, j'ai pris fonction arc par son centre. Je crée mon arc. Rayon, je suis le côté après. Ensuite, je vais faire un premier segment qui va vers le bas. Comme ça, je suis bien tangent. Échappement. Je reprends la fonction et je crée un deuxième segment vers la gauche. Échappement. Je code tout ça. Donc là, j'ai un rayon de 196. Donc là, ça va grossir un tout petit peu. Et là, j'ai une cote de 50. Et là, une cote de 47. Voilà. Au niveau de la cotation, c'est terminé. Alors, il y a juste un point. Ici, on voit qu'on a une tangence. Là, il n'a pas pris ma tangence. Donc, si la tangence n'est pas prise, on risque d'avoir, vous voyez, ce genre de petites surprises. Donc, on va sélectionner le segment. On va maintenir la touche CTRL, c'est-à-dire contrôle. Et on va cliquer sur l'arc. Alors là, j'ai trois éléments de sélectionner. Donc je recommence le segment, l'arc, et je fais tangente ici. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire une extrusion. Il va me proposer de faire une extrusion mince. Donc là, elle est du bon côté. L'épaisseur, elle est là. Je vais mettre 2. Et on va faire une extrusion de quelle longueur? 316. Donc une extrusion de 316 ici. Et on va se mettre en plan milieu pour garder de bonnes habitudes. Voilà à quoi ça va ressembler. Là, je garde mon plan d'esquisse au milieu de ma pièce. C'est toujours important. On verra pour l'assemblage, c'est plus facile. Voilà, donc mon quart de virole est terminé. Je pense à le sauvegarder. Donc je vais à nouveau dans le dossier document virole qu'on a créé précédemment. Et on va l'appeler quart de virole. OK. Voilà, terminé pour cette quatrième vidéo.